Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses vœux de réussite pour tous les élèves à l'occasion de la rentrée scolaire 2020-2021. Le Premier ministre, Abdelaziz Jarad, a donné ce mercredi, lors de sa visite d'inspection dans la wilaya de Betna, le coup d'envoi de la rentrée scolaire 2020-2021. Nous y reviendrons en détail tout à l'heure. Abdelaziz Jarad, toujours à Betna, a visité l'usine de recyclage des huiles usagées et inauguré également plusieurs projets, notamment l'école pour le développement des énergies renouvelables. Le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce mercredi une visite de travail et d'inspection en 5e région militaire à Constantine. 252 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 136 guérisons et 7 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, suite au décès du frère du conseiller et du président de la République, Abdelhafid Al-Houm, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances au conseiller Al-Houm ainsi qu'à sa famille, priant Dieu d'accueillir le défunt en son vaste paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses vœux de réussite pour tous les élèves à l'occasion de la rentrée scolaire 2020-2021. Mes vœux de réussite à mes filles et à mes fils, si Dieu le veut, pour la rentrée scolaire et souhaitant à toute la famille de l'éducation plein succès dans l'organisation d'une prévention efficace contre l'épidémie, a écrit le président de la République sur sa page Facebook. L'État est prêt à vous accompagner en mettant tous les moyens nécessaires, a ajouté le président de la République dans cette publication. Pour donner le coup d'envoi de cette rentrée scolaire, le Premier ministre a choisi la wilaya de Batna. Abdelaziz Jarad avait donné donc au début de sa visite d'inspection dans cette wilaya ce coup d'envoi officiel. Depuis l'école primaire Abdelrahman Al-Akhdari du chef-lieu de wilaya, le Premier ministre avait reçu à l'occasion des explications détaillées sur la rentrée scolaire dans cette wilaya. Naïma Chakchak. C'est depuis l'école primaire Abdelrahman Al-Akhdari dans le chef-lieu de Wilaya que le Premier ministre a donné le coup d'envoi de la rentrée scolaire 2020-2021. Il a reçu à l'occasion des explications détaillées sur cette rentrée scolaire à Batna où l'administration du secteur a pris toutes les dispositions pour assurer un retour aux classes sécurisé sur le plan sanitaire pour les élèves du primaire qui sont au total 180 329. Une précaution qui était pour rassurer Abdelaziz Jarad qui insistait sur l'impératif de respecter les mesures de prévention contre le coronavirus. Une insistance qu'il réitérera aux élèves en appelant leurs parents à soutenir et à appuyer les staffs pédagogiques et administratifs pour préserver la santé des élèves. وباء كورونا لأنه هذا أبنائنا وأطلب كذلك من الأولياء يأخذوا بعين الاعتبار حماية أبنائهم وإن شاء الله أتمنى أننا نمر بهذه المرحلة وبكل أمان وبالتوفيق مرة أخرى. Le Premier ministre a donné le la au lancement de l'expérience du livre numérique. الرياضيات الله يبارك خلاص ثاني تعرف لا الولاد تعرفوا كل تستعملوها ها اذا درك باش ما تعبوش في الثقل نتاع المحفظه او عندكم بصح حافظوا عليها ما تروحوش للدار ترميوها دائما حافظوا عليها حطوها في البيت ديروا المطالعه وباش بالطريقه هذه ان شاء الله راهو كل التلاميذ نتاع المدارس على المستوى الوطني يكون عندهم هذه اللوحه هذه ونزيدوا تدريجيا نوزعوها على كل المدارس الابتدائيه ان شاء الله وزائد على هذا عندنا اللوحات كذلك الالكترونيه
ان شاء الله تكون الرقمنه هذه في كل على كل مستوى التعليم سواء الابتدائي والثانوي وطبعا الجامعي. اذا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، قراوا مليح وتذكروا اليوم هذا مهم جدا وان شاء الله انت تكبر ثاني ترجع اكثر من وزير اول وتعاود ترجع للمدرسه هذه. هيا صحه. Le premier ministre a également donné le coup d'envoi de la nouvelle année scolaire des élèves de la catégorie aux besoins spécifiques depuis l'école des jeunes sourds au chef-lieu de Wilaya. صباح الخير. انا فرحان لي راني معاكم. انا فرحان بزاف لي راني معاكم ونشجعكم باش تزيدوا تقراو مليح. نشجعكم على الدراسه والفوز لانه قادرين تخدموا وتعيشوا مليح في الحياه نتاعكم رغم هذا المشكل اللي عندكم. مليح ان شاء الله. لازم كنتوا عندكم اراده قويه. لازم حرام مليح والو ممنوع لازم نقرا باش مفهوم. وجابوا لكم الكتب؟ كاين مجاني الكتاب الطفل ما اقسم عليه. الكراريس؟ المحفظه كاين المحفظه. Un retour aux classes sécurisé et porteur de nouveautés pour les 658 écoles au total dans la wilaya de Betna. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, lors de sa visite, avait également rencontré les membres de la société civile où il a prêté une oreille attentive aux doléances des représentants de cette société. Le Premier ministre avait tenu à rassurer l'auditoire que le président de la République a pris une décision concernant le dégel de quelques projets de développement, notamment dans le secteur de l'habitat et le transport. On l'écoute. بعض الإخوان كلموا لي على بعض المشاريع اللي أجلت في ولاية بتنا. أنا كنت عارفها كذلك والسيد رئيس الجمهورية عارفها. تجميد المشاريع إلى آخره. ف قبل ما نجي كلمني سيد رئيس الجمهورية ما هي المشاريع المجمدة؟ قلت له المشروع الفلاني المشروع الفلاني المشروع الفلاني. اخذ قرار فيما يخص طريق سيار بين بتنا وطريق سيار شرق غرب. الترخيص بإنجاز الشطر الثاني من طريق المنفذ بينيترونت اوتوروتيير ما يسمى الذي يربط ولايه باتنا بطريق سيار شرق غرب على مسافه 42 كيلومتر. خصص مبلغ اجمالي قدره 30.1 مليار دينار بعدما قاربت اشغال انجاز الشطر الاول على مسافه 22.3 كيلومتر على الانتهاء. اذا الميزانية موجودة. أرفع التجميد النقطة الثانية على استكمال إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين الولايتين خنشلة وباتنا. ثالثا المساهمة بمبلغ 500 مليون دينار عن طريق الصندوق الوطني للطرق والطريق السريع للتكفل بالعمليات الاستعجالية لا سيما صيانة شبكة الطرقات والقضاء على النقاط السوداء على مستوى ولاية باتنا وخنشلة. فيما يخص السكن 300 وحدة سكنية بصيغة القوي المدعم البيا 300 عيانة في إطار السكن الريفي HR. على بالي بلي ولاية باتنا تحتاج إلى سكن الريفي. هذه مبادرة وقرار من السيد رئيس الجمهورية أولا لأنه يعرف باتنا وعاش في باتنا ولكن عنده كذلك إرادة لاستعمال الإمكانيات الموجودة لحل المشاكل لولاية باتنا وغير ولاية باتنا. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad avait affirmé également à Batna que l'avenir est dans l'industrie de transformation. Pour permettre aux compétences d'émerger, le Premier ministre l'avait souligné en marge de l'inauguration à la zone industrielle de Kishida, dans la ville de Batna, d'une raffinerie des huiles usagées de l'entreprise SAM Industrie. Saïda Mayouf. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, après avoir écouté un exposé sur la raffinerie des huiles usagées située dans la zone industrielle de Kishida, dans la ville de Batna, a valorisé ce genre d'investissement en affirmant l'accompagnement de l'État envers ce genre de projet.
هي من برنامج سيد رئيس الجمهورية. L'industrie de transformation fait partie du programme du président de la République. Il faut donc donner tous les moyens et les facilitations afin de développer cette industrie dans tous les domaines. Et vous avez choisi un domaine très important qui est directement lié à l'environnement, mais aussi qui ouvre les portes à l'exportation. Il faut rappeler que notre rôle en tant que gouvernement, c'est d'aider les investisseurs. Et comme je l'ai toujours dit, l'administration n'a pas les prérogatives de prendre en charge les projets. Aujourd'hui, c'est à l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, et aux investisseurs aussi, de développer cette industrie. Le Premier ministre a donné par la suite le coup d'envoi effectif pour l'exploitation de la raffinerie produisant 65 000 tonnes annuellement de lubrifiant avec une création de 100 postes d'emploi. La raffinerie est l'unique en son genre sur le territoire national. Elle a été créée sur autorisation du ministère de l'Énergie pour l'opération du raffinage et celui de l'environnement pour la collecte et le transport. Une manière de préserver l'environnement, mais pas seulement, sur autorisation également de l'Agence nationale du soutien et de la promotion de l'investissement en matière d'exonération des taxes sur la valeur ajoutée pour la récupération des huiles usagées émanant de 48 wilayas pour le raffinage et l'extraction de 95% de matières premières, dont une partie est commercialisée en Algérie et une autre est exportée vers l'Asie. Cette raffinerie, dont la capacité de production est la plus grande en Afrique, emploie des ingénieurs étrangers pour leur expertise et pour former le staff d'ingénieurs algériens. Un édifice à même de soutenir et de renforcer l'économie nationale. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad avait indiqué aussi que l'université doit être pionnière dans les nouvelles technologies, la numérisation, l'intelligence artificielle ou encore l'économie de la connaissance. Une déclaration faite à l'occasion de l'inauguration de, et la baptisation de l'École nationale supérieure des énergies renouvelables. Saïda Mayouf. Le secteur des énergies renouvelables s'est vu renforcé par l'École supérieure des énergies renouvelables, de l'environnement et du développement durable. Une structure inaugurée aujourd'hui par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad est baptisée du nom du défunt, le docteur Abdelhaq Rafiq Brerhi, ex-ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Des explications détaillées et exhaustives ont été fournies au Premier ministre sur le rôle crucial de la formation et l'enseignement dans cette école première du genre en Algérie. Le Premier ministre mettra l'accent sur l'importance de la formation dans ce secteur important, assurant la transition des énergies conventionnelles vers des énergies propres et nouvelles. الحكومه واهتمامات شخص انا شخصيا والحمد لله يعني مدرسه مثل هذه هي الاتجاه الصحيح للمستقبل الجزائر والتكوين نتاعها. النقطه الثانيه اللي عجبتني هو العلاقه بينكم وبين القطاع الاقتصادي والصناعي. هذا القطب هذا موجود مع السنتر اللي راح حضرتك ندشنوها مهم جدا يعني العمل مع اثنين. نظن باللي الجانب التعاون مهم جدا دولي، لازم نحطوا المستوى نتاع هذه المدرسه في مستوى المدارس والمؤسسات العالميه الامريكيه الالمانيه، يعني على بالي بلي كانت تعاون. كذلك نقطه مهمه اللي تفضلتي بها هو جلب الكفاءات الجزائريه. Cette école nationale supérieure de 1500 places pédagogiques comprend 8 salles multifonctions et dispensera différentes disciplines dans des segments gravitant autour des énergies renouvelables, de l'environnement et du développement durable, notamment l'ingénierie électrique, le réseau de l'intelligence ou encore l'économie verte. Toujours à Batna, le Premier ministre a fait plusieurs haltes, notamment pour baptiser un centre anti-cancer, inaugurer aussi une station de pompage d'eau potable et distribuer des chèques pour des crédits en GEM. Saïda Mayouf est notre envoyé spécial. Dans une attention particulière à la frange juvénile, 15 chèques bancaires ont été alloués par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad à des jeunes bénéficiaires dans le cadre des microcrédits en GEM en vue de leur insertion dans la vie économique et sociale et promouvoir ainsi l'entrepreneuriat.
Dans la cité des 1000 logements, le Premier ministre a baptisé du nom du martyr Bennoui Saïd, un de ses quartiers où se trouvent également deux écoles primaires qui ont été baptisées des noms des martyrs Khaznadar Jelal Din Ahmed Abdelbaqi ou encore Maqdad Massoud. Abdelaziz Jarrad a par ailleurs baptisé le centre anti-cancer du nom du martyr Ahmed Yekken Belkassem. Le Premier ministre a par la suite et dans la commune d'Ayoul Asafir procédé au coup d'envoi de la station de pompage d'eau potable à même d'alimenter nombreuses communes. Un projet devant approvisionner en eau potable 40 000 habitants dans une première phase. Cette infrastructure hydrique aura un impact positif, voire vital, sur plus de 200 000 habitants d'ici la fin de l'an 2024. Un peu plus tôt dans la journée, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad s'était rendu au cimetière des martyrs sur la route de Tazoult dans la ville de Batna, où il avait déposé cette gerbe de fleurs. Vous allez voir à l'instant, une gerbe de fleurs, récitée la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des Chouhada de la guerre de libération nationale. Dans l'actualité également, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce mercredi une visite de travail et d'inspection en 5e région militaire à Constantine. Le compte-rendu avec Nakhlal Arbi. Au début et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée Saïd Chengriha a observé à l'entrée du siège du commandement de la région, en compagnie du général-major Nourdine Hambli, commandant de la 5e région militaire, un moment de recueillement à la mémoire du shahid Ziroud Youssef, dont le siège du commandement de la région porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et celle de nos valeureux Shuhada. Au siège du commandement de la région, le général de corps d'armée a tenu une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la région, lors de laquelle il a adressé une allocution suivie par visioconférence par tous les personnels de la région, où il a affirmé que le devoir des nationalistes dévoués aujourd'hui et à leur tête l'armée nationale populaire est de contribuer de manière effective dans la réussite du référendum sur le projet de révision de la Constitution afin d'atteindre le changement escompté. Le devoir de tous les nationalistes dévoués aujourd'hui et à leur tête l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, est de contribuer de manière effective à la réussite du référendum sur le projet de révision de la Constitution afin d'atteindre le changement escompté. La parole revient désormais au peuple algérien fier, qui saura comment construire l'état de droit où nul autre souverain que la loi, car il s'agit de l'Algérie, terre des millions de Shuhada qui ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus cher afin que la patrie connaisse le sens réel de l'affranchissement et de l'indépendance totale. Et ce, en permettant à la volonté populaire, dans son sens concret et correct, de tracer les repères de l'avenir du pays en toute liberté et démocratie. Par la suite, le général de corps d'armée a présidé une réunion de travail en présence des directeurs régionaux, des responsables des services de sécurité et des commandants des secteurs opérationnels, lors de laquelle il a suivi un exposé global présenté par le commandant de la région portant sur la situation en territoire de compétence. Le général de corps d'armée a donné une série d'instructions et d'orientations qui concernent dans leur ensemble la nécessité de faire preuve davantage de vigilance et de prudence tout en intensifiant les mesures et dispositions préventives afin de garantir le bon déroulement du prochain référendum sur le projet de révision de la Constitution. Le général de corps d'armée a inspecté ensuite le centre régional des transmissions où il s'est enquis de près de l'état d'avancement des travaux de réalisation de ce centre qui servira de support intrinsèque assurant les différentes formes de liaison entre l'ensemble des unités de la 5e région militaire. Puis dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 14 au 20 de ce mois de multiples opérations aux résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Plus de détails avec Saïd Fellak.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté lors d'opération distincte 21 narcotrafiquants et saisi de grandes quantités de kiff traités s'élevant à 10 quintaux et 65 kg et plus de 16 kg de cocaïne. À ce titre, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a intercepté à Tindouf deux narcotrafiquants en leur possession plus de 16 kg de cocaïne et 183 377 comprimés psychotropes. Tandis que les services de la gendarmerie nationale et les gardes frontières ont arrêté à Naama six narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kiff traité s'élevant à 636 kg. Dans le même sillage, des détachements de l'armée nationale populaire ont appréhendé en coordination avec les services de la gendarmerie nationale, les gardes frontières et les gardes-côtes 13 narcotrafiquants et saisi 429 kg de kiff traité et 3064 comprimés psychotropes lors d'opérations distinctes menées à Mostaganem, Tel Hamsen, Oran, Ain Temouchent, Béjaïa, Biskra, Ain Amenas, Béchar et Betna. D'autre part, des détachements de l'ANP ont intercepté à Temen Rasset, Ain Gzem, Borj Beji Mokhtar, Tindouf et Djanet 80 individus et saisi 9 camions, 29 véhicules tout-terrain, 90 groupes électrogènes, 78 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux, 268 sacs de mélange de pierre et d'or brut, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illégal, ainsi que 124 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, alors que les services de la gendarmerie nationale ont arrêté 48 individus et saisi 9 fusils de chasse, 1511 cartouches, 134 033 unités d'articles pyrotechniques, 2268 unités de différentes boissons, et ce lors d'opérations menées à Sétif, Khenchla, Betna, Mila, Msila, Biskra, El Oued, Oran et Djanet. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 38 066 litres ont été déjouées à Borj Beji Mokhtar, Tebessa, Attarf, Soukharas et Tindouf. Dans un autre contexte, les gardes-côtes et les services de la gendarmerie nationale ont réussi à mettre en échec des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 560 individus à bord d'embarcations pneumatiques et artisanales à Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Boumerdès, Chlef, Alger, Tipaza, Annabas, Kikda et Attarf. Alors que 43 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Tebessa et Ilizi. Les animateurs de la campagne ont soutenu hier, lors du 14e jour de la campagne référendaire, que l'adoption de la nouvelle constitution proposée au référendum pour le 1er novembre prochain contribuera à l'édification de la nouvelle Algérie qui répond aux aspirations du peuple. Le compte-rendu avec Bouchala Bouali. D'une journée d'études sur l'enfance et l'adolescence dans la pensée du regretté professeur Mahfoud Bousepsi, le président du Conseil national économique et social, Reda Tir, s'est félicité de l'intérêt accordé à la protection et à la promotion de l'enfance dans le projet d'amendement de la Constitution soumis à référendum le 1er novembre prochain. Pour le président du CNES, la nouvelle mouture de la Constitution constitue la pierre angulaire dans l'édification d'une Algérie nouvelle. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer, intervenait pour sa part à une conférence organisée par l'ONJSA, Organisation nationale des journalistes sportifs algériens, intervention au cours de laquelle il a mis en avant l'importance accordée par le projet de révision de la loi fondamentale au quatrième pouvoir. Selon Amar Belhimer, le projet en question consacre, je cite, « la liberté de la presse » et met un terme aux pratiques qui portent atteinte à la profession. Fin de citation. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a soutenu pour sa part depuis Rolizane que le projet d'amendement de la Constitution vient concrétiser la volonté populaire d'aller vers un changement. Sid Ali Khaldi a par ailleurs affirmé que la nouvelle mouture de la Constitution ouvre la voie à une participation effective des jeunes à la vie politique et la contribution de la société civile dans la lutte contre la corruption. Le ministre des Ressources en eau, Ersk Evrari, a lui aussi plaidé depuis Tismsilt en faveur du projet de révision constitutionnelle, affirmant qu'il garantissait le droit à un approvisionnement suffisant en eau potable.
Le ministre de l'Énergie Abdelmadjid Attar a soutenu quant à lui que le projet d'amendement de la loi fondamentale consacre plusieurs articles à la préservation de la souveraineté de l'État sur les ressources naturelles nationales. Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, a pour sa part affirmé depuis Ain Temouchent que les prochaines consultations populaires ouvriront la voie au changement escompté. Mohamed Hamidou dira que tous les Algériens sont conviés à apporter leur pierre à l'édifice. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a lui aussi abondé dans ce sens, affirmant que le projet d'amendement de la Constitution consacrait la participation effective des jeunes dans l'édification de l'Algérie nouvelle, a-t-il souligné. De son côté, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kawtar Kriku, a estimé que le plébiscite du projet de révision de la Constitution ouvrira la voie à l'édification d'une Algérie où la femme occupe une place de premier rang, et d'ajouter que le nouveau document accorde une attention particulière aux couches les plus vulnérables. Le calife général de la Tariqa Tijaniya dans le monde, Cheikh Sidi Ali Belarabi, a appelé depuis le Rouat les Algériens à aller nombreux aux urnes pour participer, dit-il, à l'édification de l'Algérie nouvelle et concrétiser ainsi leur volonté. Les notables ainsi que les chouyours des Zawiya et des écoles coraniques ont salué dans un communiqué à l'occasion de la semaine nationale du Saint-Coran les apports de la nouvelle mouture de la Constitution, affirmant, je cite, qu'elle répondait aux aspirations du Hirak. Fin de citation. Les partis politiques mènent eux aussi campagne tambour battant. Le président du mouvement Al-Islah Fil Al-Irwini a appelé depuis Blida à une forte participation au référendum du 1er novembre prochain, affirmant que le projet de révision de la Constitution consacrait la justice. Même son de cloche du côté du parti Al-Wasit CSI. Son chef de file, Rouibat Larossi, a appelé à participer massivement aux consultations populaires du 1er novembre, affirmant que le projet de révision constitutionnelle traduisait les revendications du Hirak. Le conseiller du président de la République chargé de la mémoire nationale, Abdelmadjid Chéri, accompagné du directeur général de l'entreprise publique de télévision, Ahmed Ben Sabban, a procédé à l'installation du comité scientifique de la nouvelle chaîne thématique Dakira de l'EPTV, dont le lancement est prévu pour le 1er novembre prochain. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des start-up, Yassine Walid, a participé aujourd'hui à la session du Forum économique mondial. Cette session étant organisée en partenaire avec CNN et a été diffusée en direct. Durant la conférence, le ministre délégué a affirmé que le gouvernement algérien accorde une grande importance aux start-up ainsi que la capacité de ces jeunes entreprises innovantes à créer de l'emploi et de la richesse. Il a aussi fait part des efforts du gouvernement dans la promotion des start-up en Algérie avec la création notamment d'un fonds public pour les start-up et les différentes mesures fiscales et réglementaires mises en œuvre pour encourager la création des start-up. Le bilan du Covid-19 aujourd'hui avec le nombre de cas, 252 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 136 guérisants et 7 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, Dr Jamel Fourar. Je vous invite à écouter sa déclaration. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 252 nouveaux cas, 210 nouvelles hospitalisations, 136 patients guéris, 37 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec la notification de 252 nouveaux cas, l'incidence est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures, sachant que 20 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 19 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas, et 9 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 7 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, donc c'est des patients nouveaux, nous avons 210 patients enregistrés au cours des 24 dernières heures. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 38 482 patients guéris, dont 136 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 37 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, nous donnons toujours des conseils à notre population. Il faut rester très vigilant durant cette période très critique, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances.
fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les adresses pour les replays s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous et puis retrouvez Kamel Souik pour les éditions du soir à partir de demain et pour le week-end.